بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا اليوم هو السابع من شهر جمادى الأولى عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس هو الثاني في قراءة كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله الذي سماه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 8 mars 2014 et ceci est le deuxième cours dans la lecture du livre bénéfique écrit par l'imam et auteur Ibn Kathir رحمه الله تعالى intitulé الفصول في سيرة الرسول. Nous avons dit la semaine passée que si on traduisait littéralement ce titre, on aurait dit les chapitres dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit que la traduction dont on va se servir sera les passages dans la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc le deuxième cours. Nous allons lire la partie concernant la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La généalogie, c'est-à-dire nous allons parler d'où vient le prophète alayhi salatu wa sallam, qui sont ses parents, grands-parents et ainsi de suite. Et la semaine dernière, nous avons vu l'importance de l'étude de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu les points bénéfiques que l'on tire à lire la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a cité ce chapitre qu'il a intitulé Faslun dhikru nasabihi sallallahu alayhi wa sallam, chapitre concernant sa généalogie sallallahu alayhi wa sallam. Les savants de l'islam, parmi les historiens et les généalogistes qui écrivent concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, commencent d'abord par nous décrire la généalogie du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est ce que vous verrez dans les livres de biographie, les livres de sirah. Car pour connaître cet homme, on a besoin de savoir d'où il vient, on a besoin de savoir qui sont ses parents, grands-parents et ainsi de suite. عليه الصلاة والسلام. Et l'islam donne une très grande importance à la généalogie. Il donne une très grande importance à la généalogie. Il n'y a pas une communauté qui a mémorisé la généalogie d'un homme comme l'a fait la communauté musulmane pour la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en raison de la place qu'occupe cet homme dans le cœur des croyants. Ibn Kathir rahimahullah va donc citer sa généalogie. Il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam vient de la famille la plus noble qui ait marché sur cette terre. Et ce n'est pas par hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi son prophète issu de la famille la plus noble, comme on va le voir plus loin insha'Allahu ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah a dit Faslun dhikru nasabihi sallallahu alayhi wa sallam, chapitre concernant sa généalogie. Huwa sayyidu waladi Adam, il est, donc le prophète alayhi salatu wa sallam, le meilleur des enfants d'Adam, ce qu'on appelle en arabe sayyid. Et le mot sayyid en arabe, issu du terme siyada, veut dire attaqaddumu ala ghayri, fa huwa almutaqaddimu ala ghayrihi alayhi salatu wassalam fi al-ibadat, fi al-akhlaq, fi al-muamalat wa fi kulli shay. Le mot sayyid est le nom que l'on utilise pour désigner une personne qui est en avant par rapport aux autres dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'adoration, mais aussi dans le domaine des relations, du relationnel, et encore dans le domaine des comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
est en avant par rapport à toute la descendance de Adam alayhi salam, il est le meilleur des hommes, le meilleur des humains dans tous les domaines, comme on va le voir inshallah ta'ala. Ensuite, Ibn Kathir rahimahullah a cité les noms du prophète alayhi salatu wassalam, car il en a plusieurs. Il dit Abu al-Qasim. Il commence par citer sa kunya. La kunya, c'est le surnom qui est donné à la personne en se basant sur le nom de son enfant. Dans la plupart des cas, ou de manière générale, on appellera cette personne père de un tel en citant le nom de son enfant. Si par exemple ton enfant s'appelle Hamza, on dira de toi Abu Hamza, c'est-à-dire le père de Hamza. Et c'est une façon d'appeler son frère qui fait partie de la sunna. Et on peut même avoir une kunya quand on n'a pas d'enfant. À titre d'exemple, Aisha radiallahu anha a cette kunya de Ummu Abdillah, la mère de Abdullah, alors qu'elle n'a pas d'enfant, radiallahu ta'ala anha. Donc le prophète a eu un fils qui s'appelait Qasim et qui est mort en bas âge, alayhi salatu wassalam. Muhammad wa Ahmad, donc ce sont deux noms du prophète, Muhammad, que vous connaissez tous. Ensuite, nous avons Ahmad, c'est un nom qui est cité dans le Coran, dans Surat. Dans quelle surah? Hein? Dans quelle surah est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que Isa a informé son peuple qu'un messager allait venir et qu'il allait avoir pour nom Ahmad? Surat al-Saf, donc la surat, le rang. Ensuite, al-Mahi, alladhi yumha bihi al-kufr. Al-Mahi, al-Mahi, est un prénom du prophète, alayhi salatu wassalam. Al-Mahi, si on le traduisait littéralement, cela veut dire l'effaceur. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé comme ça? Parce que Allah azza wa jal a effacé la mécréance de par son envoi, sallallahu alayhi wa sallam. Et souvenez-vous, pour ceux qui ont assisté au cours du livre Shama'il, l'avant-dernier chapitre, ou un des derniers chapitres, concernait les noms du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on a expliqué tous ces noms. Ensuite, وَالْحَاشِرْ الَّذِي يَحْشِرُ النَّاسِ. الْحَاشِرْ, c'est celui qui rassemble. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé comme ça? Parce que les gens, le jour de la résurrection, se rassembleront derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam. وَالْعَاقِبْ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيِّ. Et enfin, et aussi, الْعَاقِبْ. الْعَاقِبْ, c'est celui qui vient après. Il a été appelé comme ça, car c'est celui qui est venu après les prophètes, et après lequel il n'y aura aucun prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَالْمُقَفِّ. Et ensuite, on a الْمُقَفِّ. Et certains ont dit al-muqaffa, et en fonction de la prononciation, il y a deux sens différents. Mais ce qui est à retenir, c'est que al-muqaffi, c'est celui qui est venu suivre la trace des prophètes avant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sa religion est identique à celle des prophètes. Ce qui est différent, c'est la manière de la pratiquer. Mais la base de celle-ci est identique, c'est la mise en pratique de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyyur rahma, le prophète de la miséricorde. Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ce qui veut dire et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Quand Allah azza wa jalla a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde de laquelle il a fait don aux enfants d'Adam. Celui qui saura l'apprendre aura tout gagné, c'est-à-dire suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui ignorera cette miséricorde et qui se détournera de celle-ci sera voué à l'échec et aura tout perdu. Wa nabiyyu tawba, le prophète du repentir. Nabiyyu tawba, le prophète du repentir, c'est un de ses noms. Pourquoi? Car il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour guider les gens vers le repentir, afin que ceux-ci sortent de la mécréance, du polythéisme
se repentent à Allah Azza wa Jal et rejoignent le nombre des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyul malhama, et le prophète de la bataille. La bataille en arabe a plusieurs noms, parmi lesquels al-malhama, qui vient du mot lahm. Et à la base, lahm, c'est la chair de l'individu, la viande ou la chair de la personne. La bataille a été appelée en arabe malhama. Pourquoi ? Parce que les chairs se découpent pendant que les combattants se frappent. C'est pour cela qu'on a appelé comme ça. Donc ce sont des noms qui nous ont été cités, qui nous sont rapportés par Al-Bukhari, également Muslim, selon Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna li asma, certes, j'ai des prénoms. Ana Muhammad, je suis Muhammad. Wa ana Ahmad, wa ana al-mahi, alladhi yamhu Allahu bi al-kufr. Je suis l'effaceur par lequel Allah efface la mécréance. Wa ana al-hashir, alladhi yuhsharu an-nas ala qadami wa fi lafz ala aqibi. Et je suis le rassembleur autour des pieds duquel seront rassemblés les gens. Wa ana al-aqib, et je suis le dernier. L'imam Muslim rahimahullah a rapporté selon Abu Musa radiyallahu an al-Ash'ari qui a dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه بأسماء. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم se nommait pour nous par des noms. فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. Il disait: je suis Muhammad, Ahmed, je suis al-Muqaffi, je suis al-Hashir, je suis le prophète du repentir, je suis le prophète de la miséricorde. Ce sont donc les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son livre magnifique et bénéfique Zadul Ma'ad fi hadi khayr al-ibad, ce qui veut dire les provisions du retour, se trouve dans la guidée du meilleur des serviteurs. C'est un livre où il traite de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres aspects en rapport avec sa vie. Dans ce livre, il a commenté et expliqué et détaillé le sens de tous les noms des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais globalement c'est ce que l'on vient de citer. Ensuite, il commence à citer le nom du père du prophète alayhi salatu wa sallam en montant chez son grand-père, arrière-grand-père, et ainsi de suite, jusqu'au 20e grand-père qui s'appelle Adnan. Jusqu'au 20e grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Adnan. Vous allez voir qu'Ibn Kathir, rahimahullah, à chaque fois, va citer le grand-père parmi les grands-parents et arrière-grands-parents en citant avec eux ses frères. Il citera donc le grand-père et tous les frères de ce grand-père. Et il y a une grande sagesse derrière cela. Car le peuple de Quraysh, tous les individus qui composent le peuple de Quraysh ont un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en connaissant le nom de ses grands-parents, arrière-grands-parents, ainsi que les frères de ses grands-parents et arrière-grands-parents, cela permet de savoir quel est le lien de parenté qu'il y a entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui-même alayhi salatu wa sallam. Dans ce premier chapitre, vous allez avoir besoin de patience parce que vous allez entendre beaucoup de prénoms et vous allez entendre des noms que vous n'avez pas l'habitude d'écouter et d'entendre. Mais il y a derrière cela une sagesse et sachez que ce n'est pas inutile. Il y a des savants qui ont une science qui est celle de la généalogie. La généalogie est une science chez les musulmans. Ils connaissent les parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, des compagnons, des savants de l'islam, tout cela parce que l'islam préserve la lignée et la généalogie. Il cite donc
C'est le fils de Abdullah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre messager, est le fils de Abdullah. Donc, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam se nomme Abdullah. Abdullah, qui est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été surnommé par les savants de l'islam comme étant le deuxième sacrifié. Pourquoi est-ce qu'on l'a surnommé comme ça ? Al-Dhabih al-Thani, qui est le premier sacrifié ? Naam. Naam. Mais d'abord, qui est le premier sacrifié ? Naam. Le premier sacrifié est Ismaïl alayhi salam, le fils d'Ibrahim. Et la plupart de vous savez que Ibrahim alayhi salam, comme cela nous est relaté dans Surat As-Safat, Allah Azza wa Jalla a ordonné à Ibrahim alayhi salam d'immoler son fils, de le sacrifier, alors que c'était le seul fils qu'il a eu à un âge avancé. Et vous pouvez vous imaginer combien Ibrahim était attaché à son fils. Et malgré cela, Allah l'a éprouvé en lui ordonnant de sacrifier son fils. Quand Ibrahim s'est exécuté, Allah Azza wa Jalla a changé à la place de ce sacrifice, le sacrifice de l'agneau, celui que l'on fait le jour du Eid. Il en est de même pour Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a failli être sacrifié aussi. C'est pourquoi on l'a surnommé le deuxième sacrifié, Al-Dhabih Al-Thani. L'histoire est relatée par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et Ibn Kathir rahimahullah l'a cité dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, le début et la fin, son livre magnifique d'histoire. Cette histoire se résume par le fait que le père de Abdullah, qui est donc le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abdul Muttalib, a fait un vœu. Il a promis à Allah subhanahu wa ta'ala que si Allah lui attribue 10 enfants, il devait en sacrifier un pour se montrer reconnaissant envers Allah, Azza wa Jal. Allah l'a éprouvé et il lui a donné ce qu'il a voulu. Il a atteint le nombre de 10 enfants. Donc, il a été obligé de respecter son vœu, cette obligation qu'il s'est donnée à lui-même, de sacrifier un de ses enfants. Le plus jeune de ses enfants était Abdullah et c'était le préféré de leur père. Il a tiré au sort et qui est-ce qui est sorti? Son enfant préféré, le plus jeune, celui qu'il aimait le plus. Il a pris la lame pour pouvoir le sacrifier et alors Quraysh, le peuple, les gens du peuple de Quraysh se sont opposés à son acte et lui ont dit que si il allait sacrifier son fils, tous les gens après allaient faire pareil. S'il sacrifiait son fils, tout le monde va dire, quand j'ai 10 enfants, j'en sacrifie un. Et alors, combien d'enfants vont être sacrifiés? Mais lui, comme il s'était fait ce vœu, il s'était obligé de le sacrifier, il fallait trouver une solution. C'est alors qu'il a été orienté vers le fait de faire un tirage au sort entre Abdullah, son fils, et 10 chameaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le tirage au sort qui était fait chez le peuple de Quraysh à l'époque, qu'on appelle en arabe Al-Istiqsam ou Bil-Azlam. Allah Azza wa Jalla l'a cité. C'est une sorte de tirage au sort que les habitants païens de Quraysh faisaient pour savoir s'ils devaient voyager ou non, commercer ou non et d'autres choses. C'est ce que Abdul Muttalib, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait entre Abdullah, son fils, et 10 chameaux. Et à chaque fois, il tombait sur son fils. Et la personne qui les a orientés, on dit que c'était une femme voyante, car on parle de gens qui sont des païens, des polythéistes. Cette femme leur a dit, à chaque fois que vous tomberez sur Abdullah, vous recommencerez le tirage au sort et rajouterez à cela 10 chameaux. Donc il n'a cessé de rajouter, et quand il est arrivé au nombre de 100 chameaux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les 100 chameaux qui sont sortis du tirage au sort et il a sacrifié 100 chameaux et son fils a été épargné.
C'est pourquoi on l'appelle le deuxième sacrifié, celui qui a été épargné et à la place de laquelle, duquel on a sacrifié 100 chameaux. Et ça, on le retrouve dans le tafsir, on le retrouve dans le livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Ensuite, il nous cite les frères et sœurs de Abdullah, qui sont donc les oncles et tantes paternels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en nous disant, wa huwa, c'est-à-dire Abdullah, bon, je vais le lire en français, je vais le traduire en français directement, c'est le frère de Al-Harith. Tous les noms que vous allez entendre sont les noms des frères du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Harith, ainsi que Az-Zubayr, ainsi que Hamza. Qui est Hamza? Hamza est un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps c'est son oncle, celui qui l'a secouru dans de nombreuses batailles. Al-Abbas, Al-Abbas, le père de Abdullah, le plus grand savant du tafsir, et le père de Al-Fadl aussi. Ensuite, Abu Talib, son oncle qui a été au service et qui l'a secouru toute sa vie, mais qui n'est pas entré en islam. Wasmuhu Abdu Manaf. Et le vrai nom de Abu Talib, c'est Abdu Manaf. Ensuite, Abu Lahab. Vous lisez dans le Coran, Tabbat Yada Abi Lahab, que les deux mains de Abu Lahab périssent. C'est le frère du père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wasmuhu Abdul Uzza. Son vrai prénom était Abdul Uzza. Ensuite, Abdul Ka'ba. Regardez les noms qu'ils avaient. Le serviteur de la Ka'ba. Le serviteur de la Ka'ba. Wahua al-Muqawwim. Waqila hum athnan. Et on a dit que son vrai prénom était al-Muqawwim. Et d'autres ont dit que ce sont deux personnes différentes. Wahajl. Parmi les oncles du prophète, alayhi salam, celui qui s'appelle Hajl. Son vrai prénom, c'est al-Mughira. Ensuite, on a Al-Ghaydaq. Et on l'a appelé comme ça car son nom signifie la générosité. C'était un homme qui était connu pour ce noble caractère. Et son vrai nom, c'est Naoufal. Et ensuite, on a Dirar. Combien sont les frères? Ils sont 10. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc son père qui s'appelle Abdullah. Abdullah a 9 frères, qui sont tous les oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il cite les sœurs de Abdullah, les tantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Safiya, Atika, Arwa, Umayya, Barra et Ummu Hakim. Vous voulez que je répète? Safiya, Atika, Arwa, Umayya, Barra, Ummu Hakim. Combien sont-elles? 6. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combien de tantes paternelles? 6. Ha'ulai kulluhum awlad Abdil Muttalib. Tous ces gens cités, Abdullah, ainsi que ses 9 frères et 6 sœurs, sont tous les enfants de Abdul Muttalib. Qui est Abdul Muttalib? Le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib, Ibn Kathir dit, wasmuhu Shaybatul Hamdi ala sahih. Son nom correct, c'est Shayba. Et on l'a appelé Shaybatul Hamd. Shayba, on l'a appelé comme ça, car Shayba, ça vient de la blancheur du poil. C'est pourquoi on appelle les vieilles personnes Shib en arabe. Pourquoi? En raison de leurs cheveux, leurs poils blancs qui poussent. Certains ont dit qu'il a été appelé Shayba en raison des poils blancs qu'il avait sur sa barbe. Quoi qu'il en soit, il s'appelle Shayba. On le surnommait Shaybatul Hamd, le Shayba de la louange. Pourquoi? Car il avait des bons caractères, il était hospitalier. Et donc on voit qu'il est connu sous le nom de
Abdul Muttalib. Pourquoi est-ce qu'il est connu sous le nom de Abdul Muttalib? L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, l'a cité dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, son livre d'histoire, dans le troisième tome, dans la page 355. C'est un livre qui n'est pas traduit en français. Il est composé de plus d'une dizaine de tomes. Il dit, donc on nous raconte cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Abdul Muttalib? Cet homme-là, qui est Shayba, était avec son oncle Al-Muttalib. Et ils étaient en voyage. Shayba, le grand-père du prophète, alayhi salam, était en voyage avec son oncle Al-Muttalib. Et ce voyage était éprouvant. Il y avait le soleil, ce qui a poussé la couleur de la peau de Shayba à bronzer. Puis quand il est arrivé au lieu voulu, les gens qui ont vu Shayba avec son oncle Al-Muttalib ont cru que Shayba était l'esclave de Al-Muttalib. Parce qu'ils l'ont vu, fatigué et suivre Al-Muttalib, marcher derrière lui, ils ont dit « Hada Abdul Muttalib ». Celui-ci est l'esclave de Al-Muttalib, car avant ils avaient des esclaves. Résultat, il a été connu sous cette appellation « Abdul Muttalib », l'esclave de Al-Muttalib. Donc Al-Muttalib, c'est l'oncle du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Shayba. Ensuite, il cite le deuxième, ou pardon, il cite l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous voulez, je vous cite tout de suite les 20 noms que vous écrivez, pour ceux qui ont de quoi écrire, des parents et grands et arrière ainsi de suite jusqu'au 20e du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier grand-père du prophète alayhi salatu wa sallam s'appelle Abdul Muttalib. Le deuxième, Hashim. Le troisième, donc quand on dit le deuxième, c'est l'arrière. Le troisième, l'arrière-arrière. Le troisième, Abdou Manaf. Abdou Manaf. Le quatrième, Qusay. Je vous ai dit que vous allez entendre des noms qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Qusay. Le cinquième, Kilab. Le sixième, Murra. Murra. Le septième, Ka'b. Ka'b. Le huitième, Lu'ay. Lu'ay. Le neuvième, Ghalib. Ghalib. Le dixième, Fihr. Fihr. Le onzième, Malik. Malik. Le douzième, An-Nadr. Nun Dad Ra. An-Nadr. Le treizième, Kinana. Le quatorzième, Khuzaima. Le quinzième, Mudrika. Mudrika. Le seizième, Ilyas. Le dix-septième, Mudar. Mim Dad Ra. Mudar. Le dix-huitième, Nizar. Le dix-neuvième, Ma'ad. Ma'ad. Le vingtième, Adnan. Adnan. Vous allez voir pourquoi c'est important de connaître ces noms et de les numéroter. Parce que quand je vais vous parler de certaines personnes, vous allez entendre celui-ci rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la descendance du 13e, du 12e, du 11e. Et vous saurez de qui est-ce qu'on parle. Les 20 noms cités sont les noms des parents, grands-parents et arrières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le deuxième, na'am, c'est-à-dire l'arrière-grand-père, c'est Hashim. Hashim, son vrai prénom, c'est Amrun. Son vrai prénom, c'est Amr. Vous allez voir que la plupart
ces personnages sont connus sous leur surnom, pas avec leur vrai prénom. Et les Arabes, quand ils donnent des surnoms, ils donnent des surnoms à des gens en fonction de ce pourquoi ils étaient connus. Ici, il s'appelle Hashim. En arabe, Al-Hashim, c'est celui qui fait Al-Hashm. Al-Hashm, c'est le fait de mélanger la viande avec le pain. Et c'est ce que Amr, le deuxième grand-père, faisait pour son peuple, particulièrement pendant les années de famine, où les gens avaient faim. Il était connu pour cela, on lui a donné ce surnom-là. Celui qui faisait farcir le pain avec la viande. Ce qu'on appelle Al-Tharid. Trid, pour les Marocains. Al-Tharid. Donc, ça ressemble à ce qu'on appelle Al-Musamman chez les Marocains. Il le mélangeait avec la viande. Ensuite, celui-là, donc, Amr, huwa akhul Muttalib. C'est le frère de Al-Muttalib, dont on a parlé au début. Wa ilayhima nasabu dhawi al-qurba. Et la généalogie des gens proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient derrière ces deux personnages. Derrière ces deux personnages. Comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Et cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, selon Jubair ibn Mut'im, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama banu al-Muttalib wa banu Hashim shay'un wahid » Il dit « Les enfants, la descendance de al-Muttalib et celle de Hashim ne sont qu'une seule chose. Soyez patients pour les débuts. Et après, vous allez, inshallah ta'ala, avoir le plaisir d'écouter la suite. Donc, les enfants d'Al-Muttalib et ceux de Hashim sont une seule et même chose. Donc, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah, les gens proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, remontent à ces deux hommes. Ensuite, parmi les frères de ce deuxième grand-père, donc souvenez-vous qu'on va citer chaque grand-père, et ensuite on va citer les frères de celui-ci. Donc ici nous sommes en train de parler du deuxième grand-père, Hashim, et nous parlons de ses frères, le premier Al-Muttalib, le deuxième Abdou Shams, également Naoufal. Ces quatre sont les enfants du troisième grand-père. Troisième grand-père, c'est Abdou Manaf. Abdou Manaf, c'est le troisième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son véritable prénom, c'est Abdul Uzza, le serviteur, l'esclave de l'Uzza. L'Uzza, c'est le nom d'une divinité que les païens de Mecca adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est issu de la descendance de Abdou Manaf, le troisième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, est également issue de la descendance de Abdou Manaf, Az-Zubayr ibn al-Awwam, qui est un des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, est issu de cette descendance ceux qui ont recouvert la Kaaba, ceux qui se sont occupés de couvrir la Kaaba, la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons ce troisième grand-père qui est Abdou Manaf. Celui-ci a pour frère Abdou Ad-Dar et Abd. Il a donc deux frères. Ils sont tous les enfants du quatrième grand-père. Nous citons chaque grand-père et ses frères. Ils sont tous les enfants du quatrième grand-père qui s'appelle Qusay. Le véritable nom de ce grand-père, c'est Zayd.
et on l'a surnommé Qusay avec les trois lettres arabes Qaf, Sad et Ya, parce que il était quelqu'un de loin de son peuple. كان قاصيا عن قومه أي بعيدا في قضاعة ثم رجع إلى مكة وجمع قريشا بعد تفرقهم ولذا يدعى مجمعا. Il a été donc appelé Qusay, qui vient de là, du fait d'être loin. Du fait d'être loin. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça, ce quatrième grand-père? Car il a vécu loin des siens et loin de sa communauté, dans un endroit qui s'appelle où il y a Qudaa. Ensuite, il est revenu à Mecca pour unir le peuple de Quraysh après que ceux-ci se soient divisés. Le quatrième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qusay, a vécu loin des siens, puis il est revenu à Mecca pour unir les habitants de Mecca, les Qurayshites, qui s'étaient divisés. Et c'est pourquoi on le surnommait Al-Mujammi', celui qui a réuni. Wa Zuhra, et donc, nous sommes toujours dans le quatrième grand-père qui est Qusay. Qusay s'appelle en vérité Zayd. Il est le frère de Zuhra. Le frère de Zuhra. Zuhra ibn Kilab est issu de la descendance de Zuhra, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amina. Donc, c'est une cousine éloignée sallallahu alayhi wa sallam. Est également issu de celui-ci Sa'd ibn Abi Waqqas, également Abdurrahman ibn Auf, qui sont deux parmi les 10 compagnons à qui on a fait l'annonce de la bonne nouvelle de l'entrée au paradis pendant leur vivant. Ils sont les enfants de Kilab. Kilab est le cinquième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kilab a pour frère Taïm, également Yaqadha. Le frère de Kilab, le cinquième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Taïm, est issu de lui Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, le troisième frère, qu'on appelle Abu Makhzoum, est issu de lui Khalid ibn al-Walid, qui était connu sous l'appellation de l'épée d'Allah Azzawajal, en raison de la bravoure et du courage qu'il avait pendant les batailles. Ils sont tous les enfants de Murra. Murra, c'est le sixième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Murra a comme frère Adi et Husayis. Donc ce sont des noms qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Murra, le sixième grand-père du prophète alayhi salatu wa sallam, a deux frères, Adi et Husayis. Est issu de Adi, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, également Saïd ibn Zayd, qui font également partie des 10 à qui on a annoncé l'entrée au paradis pendant leur vivant. Ils sont tous les enfants de Ka'b, qui est donc le septième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b a pour frère Amir et Sama, Khuzaima, Sa'd, Al-Harith, Aouf. Donc le septième grand-père a 6 frères, ils sont 7. Ils sont tous les enfants du huitième grand-père qui s'appelle Lu'ay. Qui s'appelle Lu'ay, qui est le frère de Taïm al-Adram. Et également, ils sont les enfants du neuvième grand-père qui s'appelle Ghalib. Le neuvième grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, s'appelle Ghalib. Ghalib, ce neuvième grand-père, a pour frère Al-Harith, également Muharib, et est issu de Al-Harith, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, radiyallahu ta'ala anhu, qui fait également partie des 10 compagnons à qui on a annoncé la bonne nouvelle de l'entrée au paradis. Le 10e grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est
Fihr. Fihr a pour frère Al-Harith. Fihr a un frère qui s'appelle Al-Harith. Souvenez-vous, le dixième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Fihr, Fihrun. Certains savants disent que c'est lui Quraysh. Car quand on dit le nom Quraysh, d'où vient ce mot-là? Ils disent que ce sont la descendance de celui-là, particulièrement. Ça, c'est le premier avis chez les généalogistes et les historiens. Le deuxième avis, qui a d'ailleurs été retenu et jugé prépondérant par Ibn Kathir, rahimahullah, c'est que Quraysh, c'est Al-Nadr Ibn Kinana. Et c'est un nom qu'on va voir tout de suite après. Et c'est le nom qui a été retenu par Ibn Kathir et par beaucoup de savants. Il dit, donc le dixième grand-père c'est Fihr, le onzième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Al-Nadr justement. Non. Si, c'est Al-Nadr. Al-Nadr a pour frère hein? Comment? Le dixième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Fihr. Fihr a pour frère Al-Harith. Naam. Le onzième grand-père, on voit que vous avez écrit Barakallahu fikum. Le onzième grand-père, c'est Malik. Malik a pour frère As-Salt et Makhlad. Certains disent Yakhlad. Donc même si vous avez un peu du mal, ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une introduction. Ceux qui peuvent comprendre, alhamdoulilah, ceux pour qui ça paraît assez difficile, on va passer, inshallah ta'ala, mais il faut patienter dans talab al-ilm, dans l'étude de la science, et il faut passer par des chemins qui parfois ont l'air difficiles, mais qui en fait nous ouvrent les portes de la connaissance. Donc Malik a pour frère Sald et Makhlad. Certains l'appellent Yakhlad. Ensuite, le douzième, c'est Al-Nadr. Le douzième dont on parle, c'est celui-ci qu'a jugé, qu'a retenu Ibn Kathir, rahimahullah, comme étant celui duquel est issu Quraysh. Donc, quand on dit Quraysh, nous parlons de lui, selon le dire de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et beaucoup de savants après lui. Al-Nadr a pour frère Malik et Malkan, ainsi que Abdou Manah, et d'autres, qui sont tous les enfants du 13e grand-père, qui s'appelle Kinana, 13e grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le frère de Asad, Asada et Al-Hun, qui sont les enfants du 14e grand-père, qui s'appelle Khuzaïma. Khuzaïma, le frère de Hudhayl. Le 14e grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a pour frère Hudhayl, le frère du 14e grand-père du prophète alayhi salatu salam, est issu de lui Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, le plus savant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les causes de révélation du Coran. C'est pourquoi on l'appelle Ibn Mas'ud al-Hudhali. Il est issu de Al-Hudhayl, le frère de Khuzaïma, le 14e grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont les enfants du 15e grand-père qui est Mudrika. Mudrika a pour véritable prénom Amr. Il est le frère de Tajina. Son véritable prénom est Amir. Ainsi que Qam'a. Ces trois personnes sont les enfants du 16e grand-père qui est Ilyas. Ilyas a un frère qui s'appelle Nas. Wahwa Ilan Walidu Qais. Kilahuma, donc ces deux frères sont les enfants du 17e qui est Mudar. Mudar est le frère de Rabi'a. Et ces deux hommes, Mudar et Rabi'a, ainsi que Anmar et Iyad, qui sont allés vivre au Yémen,
On arrive donc au total de quatre frères. Ils sont tous les enfants du 18e grand-père qui s'appelle Nizar. Nizar qui est le frère de Qudaa, selon l'avis de la majeure partie des généalogistes. Ensuite, ces deux-là sont les enfants du 19e grand-père qui s'appelle Ma'ad. Ma'ad étant le fils de Adnan. Les 20 noms que vous venez d'entendre sont les 20 grands-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet desquels il n'y a aucune divergence chez les historiens et généalogistes. Les savants de l'islam sont unanimes sur les 20 noms que vous venez d'entendre. Après ces 20 noms, les savants, les généalogistes, ont divergé. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. Toutes les tribus arabes sont liées, Ibn Kathir qui parle, à ces noms que je viens de citer. Toutes ces tribus arabes. Sachez que les Arabes se divisent en deux. Il y a ceux qui sont appelés Al-Arab, Al-Ariba, les Arabes de souche, et ceux qui sont appelés Al-Arab, Al-Musta'riba, ceux qui se sont arabisés, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'étaient pas Arabes et qui le sont devenus. Ce sont ceux qui sont la descendance, les Arabes arabisés, sont la descendance de Adnan. Et les Arabes de souche sont la descendance de Qahtan. Les Arabes se divisent en deux. Al-Ariba, Al-Musta'riba. Les Arabes purs de souche et ceux qui avant n'étaient pas Arabes et qui se sont arabisés. Les Arabes purs de souche, parmi lesquels le prophète Hud, Saleh, Shu'aib et j'ai oublié Man, là il n'y a pas d'arabe de souche le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tout le monde le pense. Ala kulli hal, les arabes de souche qui sont la descendance de Qahtan n'existent plus. Les arabes qui existent maintenant sont ceux qui se sont arabisés. Qu'est-ce que ça veut dire ils se sont arabisés? Ils viennent tous de Ismaïl, le prophète d'Allah, fils d'Ibrahim. Ibrahim n'est pas arabe, mais il a reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal de rejoindre la Mecque pour y vivre, endroit dans lequel il y a laissé son épouse Hajar, accompagnée de son enfant Ismaïl qui était en bas âge. Ismaïl a donc grandi à la Mecque. À la base, il n'est pas arabe. Il a vécu avec les Mécois et il s'est arabisé. Il a pris de leurs coutumes, il a appris leur langue, épousé une femme de chez eux et il est devenu arabe. C'est ce qu'on appelle Al-Musta'riba, les arabes qui se sont arabisés. La descendance d'Ismaïl sont les arabes arabisés, ils ne sont pas les arabes de souche. Les savants ont divergé. Qui sont les meilleurs arabes de souche ou ceux qui se sont arabisés? Qui va me donner la réponse? Na'am. Ceux qui se sont arabisés. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est issu d'eux et Allah tabaraka wa ta'ala ne choisit pour ses prophètes que ce qu'il y a de meilleur. Ça c'est un avis fort et très fort d'ailleurs des gens de science. Toutes les tribus arabes reviennent à Adnan, c'est-à-dire les arabisés, al-musta'riba. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواه بيانا شافيا رحمه الله. Il nous dit que Abu Omar c'est le grand savant de l'école de l'imam Malik rahimahullah, Ibn Abd al-Barr, celui qui a écrit Jami' al-Ulum wal-Hikam, un des meilleurs commentaires des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah. Ibn Abd al-Barr
rahimahullah ta'ala, a cité ce qui vient d'être dit par Ibn Kathir. Ensuite, Ibn Kathir dit, ou bien il cite, non, Ibn Kathir dit, wa Quraysh, ala qawli akthari ahli nasab, هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. Il dit que Quraysh, selon l'avis de la majeure partie des généalogistes, sont les gens qui sont attribués ou qui sont liés à Fihr. Regardez pourquoi on vous demande d'écrire les noms. Qui est Fihr? Le dixième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont d'ailleurs écrit, ou ils ont d'ailleurs écrit des vers poétiques concernant cela, dans lesquels ils disent Qusayl amri kana yud'a mujammi'a bihi jama'a Allah al-qaba'ila min fihri. Dans ces vers poétiques, ils ont dit Qusay était celui qu'on a surnommé al-mujammi', le rassembleur, celui qui a rassemblé le peuple de Quraysh qui s'était divisé avant qu'ils ne viennent les rassembler. C'est par lui qu'Allah Azza wa Jal a rassemblé les tribus des enfants de Fihr. Pourquoi est-ce que ce vers poétique a été cité? On parle de quelle tribu? On parle des tribus de Quraysh. Et celui qui a écrit ce vers poétique a dit qu'Allah Azza wa Jal a uni le peuple de Quraysh, il les a cités comme étant les enfants de Fihr. C'est pour cela que certains disent que Fihr, c'est-à-dire le dixième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui Quraysh. Ça, c'est un avis. Ensuite, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit وَقِيلَ جِمَاعُ قُرَيْشْ هُوَ النَّضْرُ بْنُ كِنَانَةَ. Et d'autres ont dit que Quraysh, c'est An-Nadr ibn Kinana, wa alayhi akthar al-ulama wal muhaqqiqin. Et c'est sur cet avis que sont restés les savants, ou la plupart des savants, parmi les vérificateurs, ceux qui ont les outils pour corriger et vérifier la science. Wa stadilla ala dhalika bil hadith alladhi dhakarahu Abu Umar ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala an al-Ash'ath ibn Qais رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت ألستم منا يا رسول الله قال لا نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن وفيه فكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. Ensuite, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit que ceux qui ont cité que Nadr c'était en fait lui Quraysh ont pris pour preuve le hadith qui a été rapporté par Ibn Abd al-Barr rahimahullah. Ce hadith a été, le hadith que nous allons lire a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala dans la série des hadiths authentiques sous le numéro 2375. Le hadith numéro 2375 jugé bon et authentique par l'Albani, c'est celui que nous allons lire. Dans celui-ci, Al-Ash'ath ibn Qais, le compagnon radiyallahu anhu, dit je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en compagnie d'une délégation de Kinda, un groupe de personnes qui sont venues le voir. J'ai donc dit, Alastum minna ya Rasulallah. J'ai donc dit, ne faites-vous pas partie de nous, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, nous, les enfants de Nadr ibn Kinana. Donc, comment il a parlé quand il a dit nous, en parlant de Quraysh? Il a dit les enfants de Nadr ibn Kinana. C'est pourquoi Ibn Kathir rahimahullah a retenu que Quraysh c'est Nadr ibn Kinana. Il dit la naqfu ummana wa la nantafi min abina. La naqfu ummana ay la nantasibu ila ummina fi an-nasab. Al-arab yaqulun fulan ibn fulan, la yaqulun ibn fulana al-umm.
Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous autres, les enfants de Nadr ibn Kinana, ne suivons pas nos mères, c'est-à-dire dans l'affiliation. Car les Arabes ne s'affilient pas à leur mère, ils s'affilient à leur père. On dit d'un homme qui s'appelle Mohammed et qui a pour enfant Hamza, on appellera Hamza, Hamza ibn Mohammed. Et si la mère de Hamza s'appelle Zainab, on ne dit pas Hamza ibn Zainab. On dit Hamza ibn Mohammed. On le renvoie à son père. C'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné dans surat Al-Ahzab. Qala ta'ala, ud'uhum li aba'ihim, huwa aqsatu 'inda Allah. Appelez-les par leur père, c'est plus équitable auprès d'Allah. Azza wa jal. C'est ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala nantafi min abina, la yanfuna ansab aba'ihim. Et on ne nie pas l'affiliation à nos pères. Donc, c'est-à-dire, nous autres, les enfants de Nadr ibn Kinana, le peuple de Quraysh, les Arabes, quand ils se nomment par leur père, le un tel fils d'un tel, en parlant du père et pas de la mère. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit que Al-Ash'ath, l'homme qui a interrogé le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. On ne m'amènera pas un homme qui a renié un homme de Quraysh, des enfants de Nadr ibn Kinana, sans que je le flagelle. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il a reconnu les gens de Quraysh comme étant les enfants de Nadr ibn Kinana. À notre avis, وقيل إن جماع قريش إلياس ابن مضر ابن نزار. Donc, c'est un autre avis. وقيل بل جماعهم أبوه مضر. Et d'autres ont dit que c'est مضر. وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وهما وجهان غريبان جدا. Ensuite, il dit que ce sont les deux dernières paroles, sont deux avis cités par certains compagnons de l'imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, et ces deux paroles sont très étranges. Donc, elles ne sont pas à prendre en compte. Celles qui sont à prendre en compte, c'est de dire que Quraysh est issu de Nadr ibn Kinana, c'est-à-dire le 12e grand-père, ou bien de Fihr, le 10e. Ibn Kathir a choisi le 12e. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبا وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. Il dit quant aux tribus arabes comme celle connue qui est Himyar, Hadramaut, Saba et autres, ils sont les tribus issues de Qahtan à la base. Ils ne sont pas issus de Adnan. وَقُضَاعَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ. Et la tribu de Qudaa il y a à son sujet trois avis. قِيلَ إِنَّهَا مِنَ الْعَدْنَانِيَّةِ. Certains ont dit qu'elle est issue de Adnan, d'autres de Qahtan, et d'autres ont dit que qu'elle est issue d'une autre. Quoi qu'il en soit, avec tout ça, on a fini de citer la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Abdullah son père jusqu'à Adnan, jusqu'au 20e grand-père. Ibn Kathir rahimahullah a pris un autre chapitre et a dit faslun dhikru nasabihi sallallahu alayhi wa sallam ba'da Adnan. Chapitre concernant sa généalogie alayhi salatu wa sallam plus haut que Adnan, après Adnan. Les savants sont unanimes sur les 20 grands-parents qu'on vient de citer. Après, ils sont dans la divergence, dans deux points. Le premier, les savants divergent sur le nombre de grands-parents après Adnan jusqu'à Ismaïl.
Deuxièmement, il diverge sur le nombre de ses grands-parents, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il diverge sur le prénom de chacun de ses grands-parents. Il n'y a rien qui nous permette d'affirmer tel et tel avis. Donc, on s'arrête dans la certitude jusqu'à Adnan. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع. Donc il dit ce que l'on vient de dire. وهو ثابت بالتواتر والإجماع. Donc cette généalogie précitée est affirmée par le consensus et la successivité. C'est-à-dire que on a transmis cette généalogie de manière successive. Tout le monde sait que c'est la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنَّمَا شَأْنُ فِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ. Mais la divergence arrive dans ce qu'il y a après. لَكِنْ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ النَّسَبِ وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّ عَدْنَانَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلِ نَبِيِّ اللَّهِ وَهُوَ الذَّبِيحُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ. Il n'y a par contre aucune divergence sur le fait que tous ces gens-là, malgré l'ignorance que l'on a concernant leur nom et leur nombre, ils sont tous de la descendance de Ismaïl, le fils de Ibrahim. Ismaïl étant le premier sacrifié, en l'échange duquel on a sacrifié un agneau, alayhi salam, selon la parole prépondérante chez les compagnons et les imams de la Sunna. Wa Ismaïl ibn Ibrahim, خليل الرحمن عليه الصلاة وعليه أفضل الصلاة والسلام. Et إسماعيل est le fils de Ibrahim, l'ami intime du tout miséricordieux سبحانه وتعالى. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال. Et les savants ont divergé sur le nombre de grands-parents qu'il y a entre Adnan et إسماعيل. Et vous allez voir que cette divergence nous enseigne qu'on ne peut pas en fait les dénombrer et non plus les nommer. فَأَكْثَرُ مَاقِيلْ أَرْبَعُونَ أَبَا. Certains ont dit 40. Entre Adnan et Ismaïl, il y a 40. D'autres ont dit وَأَقَلُّ. Donc ça, c'est le plus grand nombre que l'on a dit. Ensuite, le nombre inférieur cité, مَا قَبْلَ سَبْعَةِ أَبَا. D'autres ont dit 7. وقيل تسعة. D'autres ont dit 9. وقيل خمسة عشر. D'autres ont dit 15. ثم اختلف في أسمائهم. Puis ils ont divergé, comme on l'a dit, dans leur nom. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان. Et certains pieux prédécesseurs parmi les imams ont trouvé de l'aversion à citer la généalogie au-dessus de Adnan en raison de la divergence que l'on vient de citer. ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. Il a dit au sujet de l'imam Malik, le grand imam رحمه الله, qu'il a aussi détesté citer la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de Adnan. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الإنباه. عبد الله ابن الإمام ابن عبد البر رحمه الله a dit dans son livre: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن. Ensuite là, je vais vous citer les noms rapidement. Il va citer un avis sur les noms qui remontent jusqu'à, et là on va parler même jusqu'à peut-être Adam. Voici les noms. Ils disent que Adnan est le fils de Udad, et on va remonter. Ibn Muqawim, Ibn Nahur, Ibn Tayrah, Ibn Ya'rab, Ibn Yashjab, Ibn Nabit, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Khalil al-Rahman, Ibn Tarih, Ibn Azar, Ibn Nahur, Ibn Sharukh, ابن راعو ابن فالخ ابن عبير ابن شالخ ابن الله أكبر ابن أرفخشذ ابن
Sam ibn Nuh, donc Nuh c'est le prophète, ibn Lamek, ibn Matushalakh, ibn Akhnour, wa huwa Idris al-Nabi alayhi salam, fima yaz'umoun. Donc ici on a cité le prophète Idris, et ça c'est une divergence. Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que Idris n'est pas venu avant Nuh, mais il est venu après, et c'était un prophète de la descendance de Banu Israël. Quoi qu'il en soit, on continue. Ibn Kathir dit Wallahu a'lam, wa huwa awwalu nabi wa huwa awwalu bani Adam u'tiya an-nubuwwah ba'da Adam. Ensuite Washit, wa awwalu man khatta al-qalam bil qalam, le premier qui a écrit. Shit. Ibn Yard, Ibn Mahlayl, Ibn Qaynan, Ibn Yanish, Ibn Shit, Ibn Adam. Ici, il est remonté jusqu'à Adam. Donc, on lit parce que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, l'a écrit, mais, ou plutôt l'a cité du livre d'Ibn Abdel Bar, mais ce n'est pas un consensus. On retient que jusqu'à Adnan. Hakadha dhakarahu Muhammad ibn Ishaq ibn Yasir al-Madani sahib al-Sirat al-Nabawiyya. C'est ainsi que l'a cité Ibn Ishaq, qui est connu pour la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ghayruhu min ulama al-Nasab, et d'autres savants généalogistes. Wa qad nazzama dhaka Abu al-Abbas Abdullah ibn Muhammad al-Nashi al-Mu'tazili fi qasida yamdahu fiha Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les noms que vous venez d'entendre ont été cités dans des vers poétiques écrits par un poète arabe qui s'appelle Al-Abbas Abdullah ibn Muhammad al-Nashi, qui était un homme très égaré dans sa croyance, car il appartient au groupe des Mu'tazila, qui ont beaucoup d'égarements, notamment dans le domaine de la croyance au destin, mais aussi dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants qui ont réfuté les ambiguïtés émises par ce groupe égaré ont d'ailleurs cité certaines des ambiguïtés propagées par ce poète dont nous allons lire les vers. Quoi qu'il en soit, ce poète a écrit des vers dans lesquels il vante le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad awradaha al-imam Abu Umar wa shaykhuna fi tahdhibihi. Ces vers ont été cités par Abu Umar ibn Abdel Bar et aussi l'imam al-Mizzi, qui est le père de la femme d'Ibn Kathir rahimahullah. Wa hiya qasidatun baligha, qui est une poésie jugée éloquente par Ibn Kathir, dans laquelle il a dit: Madahtu Rasulallah abri bi madhihi wufura hududhi min karim al-ma'aribi madahtu mri'an faqa al-madiha muwahhada bi awsafihi an mub'idin wa muqaribi. Dans ces quatre vers poétiques, il dit: j'ai vanté les mérites du messager d'Allah, chose avec laquelle je recherche une grosse part de don, c'est-à-dire de récompense d'Allah. J'ai vanté un homme qui a dépassé toute personne vantée et qui est unique en cela, avec ses caractéristiques sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a commenté ces vers et a dit: l'auteur a dit qu'il cherche, par le fait de vanter les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une grande part de la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, et vanter le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas suffisant pour avoir les récompenses, il faut le suivre et suivre sa sunnah. Ensuite Ibn Kathir dit: فجميع قبائل العرب مجتمعون معه في عدنان. Toutes les tribus arabes se réunissent avec lui derrière Adnan. ولهذا قال الله تعالى, et pour cela Allah عز وجل a dit: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Allah عز وجل a dit au prophète صلى الله عليه وسلم: dit, je ne vous demande en cela aucun salaire, excepté le fait que vous m'aimiez de par la proximité que j'ai avec vous. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit:
لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. Il n'y a pas un ventre parmi les ventres de Quraysh sans que celui-ci n'ait un lien de proximité avec le prophète alayhi salat wa salam. Et on vient d'en parler au début. Vous vous souvenez? Tous les habitants de Quraysh, les individus de Quraysh ont un lien de parenté. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, le verset 23 de Surat al-Shura, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, adresse-toi à Quraysh et informe-les que tu ne recherches d'eux aucun salaire, mais tu leur demandes de t'aimer en raison de la proximité qu'il y a et le lien qu'il y a entre eux et toi. Et on vient de comprendre ce que cela veut dire. Ibn Kathir dit, وَهُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْهُمْ. Le messager d'Allah est l'élite des créatures d'Allah. L'élite, c'est-à-dire la meilleure, la plus pure, la plus noble, la plus haute. كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. Muslim a rapporté, عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ. Selon ce compagnon, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل ثم اختار من كنانة قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, certes Allah a choisi Kinana, le 13e grand-père. Certes, Allah a choisi parmi la descendance d'Ismaïl, Kinana. Puis, il a choisi de Kinana, Quraysh. Selon l'avis d'Ibn Kathir, c'est le 12e, Al-Nadr. Puis, il a choisi de Quraysh les enfants de Hashim, le 2e grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il m'a choisi moi-même de Hashim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre qu'il a été issu de la meilleure tribu. Et d'ailleurs, dans un hadith, il dit kharajtu min nikah wa lam akhruj min sifah, c'est-à-dire je suis issu d'un mariage et je ne suis pas issu de la fornication. Et les savants disent que si on remonte la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adam, à chaque fois il est issu de parents qui se sont mariés légalement. Il n'est en aucun cas issu et ni aucun de ses parents et arrière-grands-parents n'a eu un enfant avec la fornication. Wa kadhalika banu Israil anbiya'uhum wa ghayruhum mujtami'un ma'ahu fi Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wa salam. Également Banu Israël et leurs prophètes se réunissent avec lui chez Ibrahim, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ja'ala Allah fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Celui, donc Ibrahim, à qui Allah, dans la descendance duquel Allah azza wa jal a mis la prophétie et le livre. Car si on regarde la descendance d'Ibrahim, on verra les prophètes. Ibrahim qui a eu Ibrahim qui a eu Ismaïl et Ishaq. Ishaq a eu Ya'qub, Ya'qub a eu Youssouf. Tous ces gens-là sont des prophètes. Et les prophètes qui viennent après sont la descendance d'Ibrahim. Et c'est pour ça que les savants appellent Ibrahim Aboul Anbiya, le père des prophètes. Wa hakadha amara Allah subhanahu bani Israël ala lisan Moussa alayhi salam. وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال لهم ما معناه سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. Aussi, Ibn Kathir dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Bani Israël sur la langue de leur prophète Moussa, c'est donc Moussa qui s'est adressé à eux, et a également été cité dans la Torah, que parmi les signes annonciateurs de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il leur a dit, certes, Allah a dit, je vais faire surgir
des enfants de votre frère un prophète que vous allez tous écouter. Et je vais lui accorder une immense place. Et on vérifiera, inshallah, l'authenticité de cette information. وَلَمْ يُولَدْ مِنْ بَنِي إِسْمَعِيلَ أَعْظَمُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et aucun parmi les enfants d'Ismaïl n'est né plus grand que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bal lam yulad min bani adama ahadun wa la yuladu ila qiyam as-sa'ati a'zamu min. Également, personne ne naîtra, et cela jusqu'à l'arrivée de l'heure, personne ne naîtra meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqad sahha annahu qala ana sayyidu waladi adam wa la fakhr. Il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis le meilleur des enfants de Adam, et cela sans aucune vantardise. Il est le meilleur. Adamu faman dunahu min al-anbiya'i tahta liwa'i. Adam et ceux qui viennent après parmi les prophètes seront sous mon étendard. وصحح عنه أنه قال سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela est également rapporté par Muslim, je me tiendrai dans une place, il parle ici du jour de la résurrection, dans laquelle toutes les créatures, même Ibrahim, souhaiteront venir me rencontrer. Et cette place-là, Ibn Kathir dit, وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى. C'est la place louée qu'Allah a promise à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: عسى ربك أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite dans une noble place. Cette noble place, c'est l'intercession, c'est l'endroit. Cette noble place, c'est l'intercession qui sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur des gens de sa communauté. Ibn Kathir a dit: wa huwa shafa'atul 'uzma allati yashfa'u fil khala'iqi kullihim. Cette noble place, c'est la plus grande intercession par laquelle il intercédera, et cela pour que le jugement commence. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans le chapitre sur le tawhid. Le hadith est connu sous le nom de hadith al-shafa'a. Il est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu dans l'histoire de ce qui se passera le jour de la résurrection. Avant que le jugement commence, toutes les créatures iront voir Adam et lui diront: oh Adam, c'est toi qu'Allah a créé par sa main. Oh Adam, intercède chez Allah pour nous pour que le jugement commence. Ne vois-tu pas la situation difficile que l'on rencontre? Ne vois-tu pas notre état? Adam leur dira: Itu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Allez plutôt voir Nuh, le premier messager envoyé par Allah sur les gens de la terre. Ensuite, Nuh renverra les gens à Ibrahim, qui les renverra à Moussa, Isa, jusqu'au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam se prosternera sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il suppliera Allah par des noms et attributs qu'il ne connaissait pas de son vivant. Ils lui seront révélés et inspirés par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah lui dira de se lever, et alors il intercédera et le jugement commencera. Et c'est de ça qu'a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِيُرِيحَهُمُ اللَّهُ بِأَفْضَلَ بِالْفَصْلِ بَيْنَهُمْ مِنْ مَقَامِ الْمَحْشَرِ. Cela afin qu'Allah azza wa jal leur accorde le repos, c'est-à-dire après cette longue fatigue, car ce jour-là durera combien? 50 000 ans. On ne parle pas du jugement, on parle du temps avant le jugement. On attendra 50 000 ans avant que le jugement ne commence. كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ عَنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc cela est rapporté dans des hadiths authentiques. Il termine ce chapitre, et c'est d'ailleurs là que nous allons nous arrêter, en citant sa mère. Comment s'appelle la mère du prophète? Celui qui connaît le nom de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam lève sa main.
طيب. Qui me dit le nom de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam? تفضل أمام. آمينة بارك الله فيك. آمينة. ما هو آمينة؟ آمينة. آمينة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. Et souvenez-vous quand عبد المطلب a épargné son fils du sacrifice, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir cet homme-là qui s'appelle Wahb ibn Abdi Manaf. C'est donc le fils de quel grand-père? Du troisième grand-père. Le troisième grand-père a un enfant qui s'appelle Wahb. Abdul Muttalib a pris Abdullah, il est allé voir avec lui Abdu Manaf et il lui a dit: je veux que ton enfant Wahb, pardon, il est allé voir Wahb, l'enfant de ce troisième grand-père, et lui a dit: je veux que mon fils Abdullah épouse ta fille Amina. Et c'est ce qui s'est passé. Amina était la meilleure femme de Quraysh. Elle était issue de la meilleure famille et c'était la meilleure femme des tribus. Et c'est elle qui a été épousée par Abdullah, les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec cela, on a terminé en lisant le chapitre concernant la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan, puis la généalogie jusqu'à Ismaïl. On a vu la divergence qu'il y a et qu'il n'y a pas d'accord entre les savants. Et j'ai fait exprès de lire jusqu'à là pour qu'on puisse passer au chapitre suivant la semaine prochaine, qui concernera sa naissance et son allaitement et sa jeunesse. Sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.